le boy mignon. C'est René Suspensini, Longongolongo, Ikalogalo, Kadangongo, et tous les hasards. C'est le Wissano, Djilano, 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 Zava, Zava, imprimer et vivre des idées et des philosophes. Celui-là, tout un indicateur en ce moment, il est à Mona, donc c'est un antimbego. Donc, il est bien, il est bien, il est bien. Donc, tambouré, quoi, le moutier, alligator. Ça, c'est l'alligator. Donc, tout tambouré, quoi, le moutier, il faut tambouré. Et vous mettez un parisien en France, ils sont alligators, c'est comme un pays qui n'a pas de nucléaire. Donc, un parisien est en France, non, Croco, c'est zéro. Donc, Croco, il y a bagao. Donc, nous, il y a la puissance de parisien. Vous avez le Croco, vous avez le Maurice, vous avez le complexe. On n'arrive pas. Ah. Ça y est, vous avez le Croco. Bon, on a monté sur un alligator, il faut avoir un respect. Donc, monter un alligator, il faut avoir un respect. Parce que ça fait partie vraiment de la sape. Parce que c'est comme dans les pays, quand on parle dans le monde, les États-Unis ont la bombe nucléaire. La France. La France, la Russie, la Grande-Bretagne. Bon, les pays comme le tiers-monde, donc c'est les pays qui sont pauvres. Donc c'est comme dans l'histoire de la SAF, un parisien qui n'a pas un Kodogo, c'est un parisien hors service. Et voilà, mais vrai, Yahweh, je fais un grand plaisir, je suis en ce moment, je précise bien qu'on connaît les bagues. J'étais un ancien fêtard. Ma dernière fête, c'était en plein Bel Air en 95, encadré par Yvon Mokouba. Et puis tu Kodogo, tu peux brésiler, tu peux brésiler, tu peux brésiler. Voilà, donc, Kodogo, c'était pour les pères, les gâches. Actuellement, il est en Afrique du Sud.